Thomas est ensuite allé transmettre la paix du ressuscité à la communauté hébraïque de l'Inde du Nord de 46 à 51 et à celle d'Inde du Sud en 52 sur la côte Malabar, qui était bien connue à l'époque car elle faisait du commerce avec les Grecs et les Romains. Il naquit une église judéo-syro-malabar qui a grandi dans la culture d'Inde du Sud. Elle est représentée par quelques membres de la communauté syro-malabar du père Sébastien Natutadam. Cette communauté fêtera son apôtre fondateur, saint Thomas, le dimanche 15 juin, en avance, la date officielle est le 3 juillet, à la chapelle de la médaille miraculeuse, rue du Bac, à 15h.